Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo trop bien parce que Locan.fr est passé en HTTPS. Alors, quel est l'intérêt premier de mettre du HTTPS sur un site, un blog comme Locan.fr, en dehors du fait que c'est super joli? Oui, parce que c'est quand même super classe, il faut le dire. Ça permet de garantir l'authenticité des pages sur lesquelles l'internaute se connecte. C'est-à-dire que quand vous avez une page en HTTPS, eh bien, elle n'a pas été volée. C'est forcément la vraie page de Locan.fr, il n'y a aucune erreur là-dessus. C'est cool. Ça permet de vérifier l'intégrité des données qui transitent entre le serveur et chez vous, utilisateur, ou entre le serveur et chez moi, administrateur, quand j'envoie des données un petit peu sensibles, type mot de passe, par exemple, identifiant, etc., que ce soit sur Locan.fr en mode admin sur WordPress ou que ce soit via un FTP directement quand je transfère des fichiers sur mon serveur. Ça va évidemment sécuriser un petit peu les échanges entre ce qui se passe entre chez moi, mon ordinateur et mon serveur. C'est aussi très bien pour les admins, c'est pas uniquement que pour vous. Et c'est aussi très bien pour vous puisque ben, quand vous faites une requête sur Locan.fr, la requête est sécurisée, elle est chiffrée du début à la fin, etc. sans aucun problème. Il y a aussi le fait que Google favorise le référencement naturel des sites et qui utilise un HTTPS par rapport à un HTTP tout court. Mineur, c'est vraiment pas pour ça qu'on l'a fait. Moi, c'était avant tout parce que c'était joli, hein, pour être très franc avec vous, plus tous les aspects de sécurité dessus. Mais c'est un point important, Google favorise les sites qui ont de l'HTTPS par rapport aux sites qui ont du HTTP. Légèrement. Et enfin, comme pour les voitures, quand il y a un S à la fin, c'est généralement beaucoup plus mieux. Donc, locan.fr en HTTPS, https.locan.fr, https://locan.fr, ça marche mieux que https.locan.fr. La redirection se fait toute seule. Si vous accédez à locan.fr, normalement, vous êtes redirigé sur la version HTTPS. Si ça ne se fait pas, c'est que vous avez un petit souci de cache et en faisant un refresh sur votre navigateur, normalement, il doit vous dégager automatiquement sur la version HTTPS. Et puis voilà, c'est avant tout de la sécurité pour tout le monde, c'est mieux. Et puis voilà. C'est trop cool, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. C'était ma petite vidéo du jour et j'en suis très content qu'on ait enfin de l'HTTPS sur locan.fr. Et puis évidemment, je vous l'ai pas dit, mais ça permet de préparer un petit peu la suite du site, tout ce qui va arriver après. Bisous.